Demandons, depuis les ténèbres infinies, de nous guider vers notre destin. Quand la lune de minuit s'élève portée par des ailes noires, nous attendons la lumière salvatrice dans la vie et la mort. Gloire à Mère Miranda. Hé, hey, vous vous souvenez de moi? J'ai failli mourir dans ce château. Maintenant, dites-moi ce qui se passe ici. Comment un homme peut-il faillir à son destin? Cela mérite réflexion. Vous m'avez très bien compris. J'ai toujours pas trouvé Rose. Où est-ce que Miranda l'a emmenée? Tu arrives trop tard. Ou tu as failli arriver trop tard. L'enfant sera sacrifié. Une vie pour une vie. Mais c'est quoi ces conneries du Moyen-Âge? C'est qu'un bébé? Les emblèmes des quatre lignées ouvriront peut-être la voie que tu cherches. J'ai pas le temps là pour les énigmes. Dites-moi où est ma fille. Ce n'est une énigme que si tu ne connais pas la réponse. Attendez, ça me dit quelque chose. Hé, hey, revenez!
voilà. Je me doutais que vous passeriez par ici. Ça a servi à rien. Vraiment? Je suis sûr que vous avez récupéré quelque chose de précieux. Je sais pas ce que ça vaut, mais... Eh bien, c'est votre fille que vous tenez entre vos mains. Qu'est-ce que vous dites? Regardez de plus près. Ce bocal semble contenir sa tête. Rose et... Putain, fermez-la! C'est impossible. Je crois pas. L'esprit de votre fille est toujours intact. Ses pouvoirs sont vraiment uniques. Qui ferait une chose pareille? Elle peut être sauvée, vous savez. Sauvée? De ça? Mais vous êtes malade. Il y a une maison avec une cheminée rouge dans la partie ouest de ce village. Allez trouver l'homme qui y habite. Nous pourrons alors poursuivre cette conversation. Non, si vous savez quelque chose, dites-le maintenant. Vous n'êtes pas obligé de me croire, bien sûr. Mais avez-vous d'autres options? C'est vous qui voyez. Le client a toujours raison. Après tout. J'espère pour vous que c'est pas des conneries. Putain de guignol. Vous n'avez pas mieux à me proposer. Vous avez assez de puissance de feu? Si vous voulez, je peux encore améliorer vos armes. Avoir faim. À la prochaine fois.
De retourner voir le duc.
Alors, avez-vous appris quelque chose? J'ai trouvé ça. Maintenant, dites-moi ce que je dois faire, comme promis. Calmez-vous. Vous devez utiliser cette clé et récupérer tous les bocaux contenant votre petite rose. Où est-ce qu'il se trouve? Il y en a 4 au total. Vous en avez un, les autres nobles ont le reste. Nobles? Mère Miranda est la femme froide et calculatrice qui règne sur ce village. 4 nobles sont sous ses ordres. La première, vous la connaissez, c'est Dame Dimitrescu. La deuxième vit au fin fond d'une vallée brumeuse. Son nom est Donna Beneviento, elle fabrique des poupées. Aucun de ses camarades de jeu n'est jamais revenu de cette vieille bâtisse humide. Le troisième est Moro, un être difforme qui vit dans le lac artificiel au-delà des moulins. On dit que ce ne serait pas le seul monstre à habiter ces eaux. Le quatrième et le plus dangereux, c'est Heisenberg. Il travaille dans son usine aux abords du village. Ce qu'il y fait, disons que certaines zones de l'imagination humaine méritent de rester enfouies. Si vous tenez vraiment à sauver votre fille, vous devez d'abord assembler les 4 bocaux. Comme vous m'êtes sympathique, j'ai marqué tous ces lieux sur votre carte. Ce village recèle encore quelques trésors. Je suis sûr qu'ils vous seront tous d'une grande utilité. Pourquoi vous faites tout ça? Disons que j'ai à cœur d'offrir un service de qualité à mes clients. N'hésitez pas à revenir me voir. Puis-je choisir quelque chose? Heureusement, vous êtes là. Trouvez des ingrédients de qualité et apportez-les-moi. À la prochaine fois. Oh oui. Quelques bricoles. Je vois. Vous n'avez pas mieux à me proposer.
Obtenir de la marchandise est plus important que tout. Ah, ça oui, mon ami. Vous allez faire un malheur avec ça. Laissez-moi faire. Je peux modifier toutes sortes d'armes les yeux fermés, et je le fais pour une somme modique. Les temps sont durs, Ethan? Prévenez-moi si vous trouvez autre chose de valeur. Allez-y, n'hésitez pas à jeter un œil. Ne faites pas attention à moi. Une modification comme celle-ci ne prend qu'un instant. Je vous souhaite de faire bonne route.